Ce samedi 17 décembre avait lieu l'élection de Miss France 2023. Parmi les 30 Miss régionales en compétition pour succéder à Diane Lair, Miss France 2022, voici quelle candidate a remporté le titre. Elle n'était plus que 5. 5 candidates régionales finalistes à prétendre au titre tant convoité de Miss France 2023 pour succéder à Diane Lair, Miss France 2022, ce samedi 17 décembre depuis Châteauroux et en direct sur TF1. Après une séquence émotion lors des adieux de Sylvie Tellier, plusieurs étapes d'élimination ont eu lieu, orchestrées par Jean-Pierre Foucault au fil de la soirée. Les 30 jeunes femmes en compétition ne furent plus que 15 et enfin 5. Parmi elles, la 4e dauphine, la 3e dauphine, la 2e dauphine, la 1ère dauphine et évidemment la grande gagnante. Miss France 2023. Un choix qui revenait à 100% au public qui a pu voter par téléphone ou par SMS. Miss France 2023, découvrez le nom de la grande gagnante alors qui de Miss Auvergne, Miss Franche-Comté, Miss Guadeloupe, Miss Martinique, et Miss Nord-Pas-de-Calais a remporté le titre de Miss France 2023 suite à l'annonce des résultats par Francis Huster, président du jury. Découvrez le classement final grâce à Télé Loisirs, la 4e dauphine et Miss Auvergne, Alicia Leitz, la 3e dauphine et Miss Martinique. Axel René, la 2e dauphine et Miss Franche-Comté, Marion Navarro, la 1ère dauphine et Miss Nord-Pas-de-Calais, Agathe Coë, Miss France 2023 et donc Miss Guadeloupe, Indira Ampio qui est Indira Ampio, Miss Guadeloupe, sacrée Miss France 2023. Née le 19 septembre 2004, Indira Ampio vient tout juste de fêter ses 18 ans. Une majorité acquise qui lui permet de concourir pour le titre de Miss France. Et malgré son très jeune âge, elle mesure 1,77 m. Elle a été élue le 27 juillet dernier Miss Guadeloupe 2022 à Gosier. Fraîchement titulaire d'un baccalauréat, elle souhaite par la suite se consacrer au métier de la communication en démarrant une licence dans ce sens. Elle devra donc mettre à ses études de côté pendant un temps. Toutes les infos sur Miss France 2023 sont à découvrir grâce à Télé Loisirs en cliquant ici. Miss France 2023, une année riche en émotions à venir. Félicitations à la grande gagnante qui aura l'honneur de représenter notre pays à travers le monde et lors de multiples déplacements et cérémonies officielles. Elle sera épaulée par Sinodi Fabre, la nouvelle directrice du concours suite au départ de Sylvie Tellier. L'heureuse élue sera également couverte de cadeaux dont Télé Loisirs vous dévoile la longue liste. À lire aussi Indira Ampio, Miss Guadeloupe 2022, 5 choses à savoir sur la candidate à Miss France 2023.